Mais Didier, mon clip s'est déclaté, les gens veulent moi gagner, les gens j'en peux plus, moi gagner, Didier! Didier Campbell! Puisque la vie n'est remplie que de tarbats, tels que ses profs qui, avant d'avoir des preuves, nous montraient du doigt. Je m'en vais combattre le mal par le mal, accompagné d'eux, armé d'eux, et me voit à nous. Voilà. Je guette ma proie près du distributeur. Dealer. Patiemment je suis et j'attends mon heure. Il vient un moment où les choses se précipitent. Mais qu'est-ce qui se passe? Ferme ta gueule, passe-moi l'argent, tout va trop vite. Les coups fusent, c'est le rythme. Lorsque la victime résiste, on ne se retourne jamais. C'est juste une autre sur la liste. Mais cette fois-ci, malheureusement, les choses ont mal tourné. Me voilà prisonnier, arrêté, gardé en JAV. Les inspecteurs essaient en vain de me faire cracher le morceau. Utilise la menace pour que je craque, balance mes pincos. Mais pas question, les vrais numbos ne balancent pas. Alors je ferme ma gueule, j'assume. Et je reste froid devant les insultes. Répéter des policiers, me rappelant soudainement qu'ici je ne suis qu'un étranger. Obligé, on passe photo, empreinte, traité en cafri mafioso. En moi, monter la crainte, l'Algérien d'à côté voudrait seulement fumer. Mais à force d'être insulté, il voudrait même se suicider. Il rentre à lui dans la cellule, le tabac sa mort. Ce fils de pute m'a sali, dit un keuf à qui je souhaite la mort. À qui le tour, tête à moi ce jour. J'ai senti la patate, mais crois-moi, regarde-moi, je suis pas Rodney King, non plus. Les comiques, un petit délit, 48 heures qu'on me garde ici. Sûr, putain, je pète un plomb. Plus, si toi je vais donner des noms. S'ils savaient qu'ils perdraient beaucoup moins de temps, me suçant la bite. Si maintenant tu sais où j'habite, le 94-310. Avec nous, y'a pas de piste. Sais-tu ce que je ferais pour une poignée de dollars, connard? Braquage en tant que gris. Moi, la question, crois-tu que la misère dans le monde est illusoire? Je me rappelle qu'on a plaisir à voir les nouveaux parloirs. Que ferais-tu pour une poignée de dollars? Il sera peut-être trop tard quand tu seras connard. Je me rappelle, crois-tu que la misère dans le monde est illusoire? Et qu'on a plaisir à voir les nouveaux parloirs. Que ferais-tu pour une poignée de dollars? Il sera peut-être trop tard quand tu seras connard. Crois-tu que la misère dans le monde est illusoire? Connard. Et qu'on a plaisir à voir les nôtres parloirs. Écoute, regarde, pour une poignée de dollars. Les jeunes du ghetto sont prêts à aller au placard. Deal, bise, braquage en temps de crise. Espèce de connard, accuse-le pour moi. Écoute. Ma foi, vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Maintenant on n'a plus le choix, on veut un grand chez nous, chez les autres. Ma t'observe pour un simple regard. Les jeunes du ghetto s'énervent, sont prêts à aller au placard. Écoute, jeune étranger, tes parents ont servi de main d'œuvre pour reconstruire la France. Et désormais elle l'œuvre dans un autre sens. On sait de toi, elle s'en balance, elle a plus besoin de toi. Donc forcément elle brise tes chances et ça dès ton enfance. Tu danses entre stupéfiant, violence et les coups de balance. Tu considères être tombé par l'inexpérience. Et le chétan ricane dans l'ombre car il mène la danse. Je le savais mais j'ai foncé, la tête baissée, pas le temps de penser. T'es-tu déjà retrouvé avec l'envie de tout défoncer? Me demander ce que je ferais pour une poignée de dollars, c'est demander à Chirac ce qu'il ferait pour conserver le pouvoir. Non, s'il vous plaît. Chercher à impressionner personne ailleurs. Je causerais d'autres choses, je ferais flipper plus d'une personne. Je parle de ça et à l'époque, évidemment j'étais qu'un membre. J'étais pas parti en couille, je voulais juste être autonome. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Je comprends trop tout ce que tu dois comprendre. La fin et les moyens, rien qui m'est dit, je vais pas te l'apprendre. Je remercie Dieu si aujourd'hui tu as la chance de m'entendre. Sur ma CD, alors j'aurais peut-être tout agressé, tout te prendre. J'ai lutté et je continue pour éviter la prison. J'ai mal pour ce qu'ils ont eu. L'État n'a pas eu ma raison, les gens sont victimes. Tout ça passe au chemin, trop désillusions. Parler de leur destin ne peut se faire avec dérision. Écoute, regarde, pour une poignée de dollars. La police, mesdames, messieurs.